bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Et voici donc le FC Barcelone contre Madrid. Un nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Darren Tulette au commentaire. Bonjour Darren. Grégoire, c'est un grand plaisir de commenter cette rencontre à vos côtés. L'arbitre signale une faute. Et la défense se donne de l'air. Il glisse le ballon en profondeur. Modric. Oh, Messi! C'est bien ce qu'il fait là. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il essaye un long ballon. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Longue ouverture en direction du poteau de corner. La passe est précise. Barcelone qui a marqué dans chacun de ses 5 derniers matchs. Belle série en cours. Il joue dans l'espace. Le ballon sort en touche. Ce sera une remise en jeu. Iniesta qui centre. Barcelone qui nous fait un peu... Une petite faute là. Les gestes mal maîtrisés. Logique cette sanction. Carton jaune. Le ballon traîne toujours. Attention. Dans le dos de la défense. On joue sur l'aile. Il est servi. Ils obtiennent un coup franc. Oh, il s'en sort bien, l'arbitre ne sortira pas le carton ce coup-là. Il centre directement. Messi. Luis Suarez à droite. À la régulière, il est battu, joli tacle. Arda Turan. Il choisit là-bas, sur l'aile. Il décide d'allonger le jeu. Il repique dans l'axe. Il tente de la jouer dans l'espace. Il écarte le jeu. L'interception, bien joué. Sans se poser de questions. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Bon, il va falloir que le manager fasse 2-3 changements. Là, les attaquants n'ont quasiment pas vu la balle de toute la mi-temps. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Bien, toujours 0-0 à la reprise. On attend le premier but. Le bon dribble. Il choisit la profondeur. Attention, la frappe! Il paraissait bien seul aussi. À cette distance, il peut marquer les yeux fermés. Alors pourquoi il le laisse avancer si près? Le long dégagement du gardien. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Le gardien loin devant. C'est dégagé. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une... Le but capital! Et ça va au fond des filets! La frappe lointaine, et quelle précision! Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas, le tir était parfait. Toni Kroos, qui compte maintenant 4 buts dans ce championnat. Et ils ouvrent la marque! Ce n'est jamais facile d'ouvrir le score devant un public hostile. Attention, si l'adversaire a été piqué au vif, il va falloir résister. C'est bien écarté. Ils étaient en infériorité numérique, ils s'en sortent bien. Ah oui, mais quel tacle! D'autant plus crucial qu'ils étaient en infériorité numérique. Raphaël Varane. On nous annonçait la pluie, la voici. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas... Et il marque! Il creuse l'écart, ils ont maintenant 2 buts d'avance. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Torrejón, qui s'est offert son 5e but de la saison.
le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Sergio Busquets qui joue long, un centre lointain. Donné à la perfection. Le ballon est repoussé. Torrejón. S'il le trouve, il continue de progresser. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est puissant sur l'aile. Il est bien monté. Il peut frapper. Ils sont passés tout près du 3-0. Il a vraiment joué le coup, pourtant. C'était l'occasion de se mettre hors de portée. Il a failli marquer un nouveau but. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Iniesta, une très grande ouverture. Une très longue passe. L'assistant lève son drapeau. Bale, il joue dans la profondeur. C'est joué long, attention. Et c'est la première faute du match. Pour trouver la faille dans la défense. Nouveau but dans ce match. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Face au but, démarqué. Ça ne pouvait pas se terminer autrement. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprenaient à la perfection. Mertens qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. C'est fini, le match est terminé. Les défenseurs ont souffert, énormément souffert aujourd'hui. C'est vrai qu'en face, ils ont trouvé une équipe qui avait envie d'attaquer, qui avait envie de faire mal. Elle y est largement parvenue. Ils avaient affiché leurs ambitions dès le départ. Et un derby, ça ne se joue pas au style ou à la classe, mais à la fierté. Ils ont abordé ce match comme il le fallait et cette victoire est logique. Merci à vous, Darren. C'est terminé pour cet après-midi. On se retrouve très vite.